Alors, quelques secondes en attendant que tous nos amis soient là. Parfait, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette belle musique. Alors, je vais me connecter en parallèle. Bien, donc je vous souhaite tous une belle soirée. Je suis très content, heureux de pouvoir partager avec vous. Donc, comme je l'avais initié hier, aujourd'hui on va débattre, on va échanger autour d'un sujet assez intéressant et qui va porter sur les réhabilitations esthétiques antérieures, des unitaires jusqu'aux réhabilitations globales. Je voudrais donc encore une fois remercier tout le groupe Tawassul, les administrateurs pour le beau travail qu'ils font et surtout le travail, le gros travail de coordination. Merci énormément. Merci de nous permettre de prendre attache avec nos chers confrères, nos amis. Merci à la technologie qui nous rapproche tout le temps et qui nous assiste finalement dans notre métier également. Ok, donc je suis en train de suivre en parallèle parce qu'avec cette configuration, je ne vois pas réellement ce que vous voyez. Bon, là, je pense que je vais pouvoir le faire. Surtout le travail, le gros travail de cours. C'est parfait, d'accord. Très bien, donc on lance la sauce. Je voudrais également remercier toute l'audience ici présente pour nous avoir accordé de leur temps, de leur attention. Et j'espère qu'à travers cette conférence, je vais pouvoir partager avec vous des astuces, des données scientifiques et des choses qui vont pouvoir peut-être améliorer, peut-être répondre à des contraintes que vous avez ou d'une façon générale participer à réussir vos travaux cliniques au cabinet ou ailleurs. Bien. Alors, dans toute réhabilitation globale, notre approche doit être rationnelle, donc doit être logique. Et la logique dit que la première des choses à penser et à instaurer, c'est la fonction. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a eu la conférence de professeur Omar Lahari, un grand ami que j'adore, qui a fait une très belle conférence, qui a permis justement de mettre le point sur les paramètres essentiels dans la gestion de la fonction. Donc le calage, le guidage et le centrage. Ce sont trois paramètres qu'il faut absolument maîtriser. L'approche, finalement, n'est pas très compliquée, il faut juste en être conscient. Vous ne pouvez pas instaurer un guide antérieur sans avoir un calage postérieur. Donc maintenant, en parlant rapidement de la fonction, parce que je ne vais pas aborder ça, tout ce que je vais aborder aujourd'hui, ça va porter principalement sur le volet esthétique, mais je ne conçois pas une réhabilitation esthétique antérieure sans qu'il y ait un calage postérieur. Sachez que si vous le faites, c'est que forcément, au bout de quelques temps, quelques mois, vous allez tout perdre et vous allez avoir des bridges qui vont éclater, qu'elles soient céramo-métalliques, qu'elles soient encore pire, céramo-céramiques. Déjà, quand ils sont assez forts, assez résistants, donc céramo-céramique, vous constatez qu'il y a le plus souvent éclatement de la céramique au niveau de la centrale, la latérale. Eh bien, quand vous avez ce genre de problème, méfiez-vous, sachez que votre calage n'est pas efficient et n'est pas efficace. Donc, vérifiez-le avec du papier articulé. Vérifiez-le secondairement avec
la contraction des masséters, il faut que quand votre patient serre les dents, il faut que les masséters se contractent. S'il n'y a pas une contraction des masséters, ça veut dire qu'il n'y a pas un engagement de cette musculature. Et du coup, forcément, votre calage n'est pas bon et automatiquement, c'est le secteur antérieur qui porte toute la charge. C'est ce qui génère finalement toute cette problématique de fracture au niveau du secteur antérieur. Donc, règle d'or, le secteur antérieur doit tout le temps être protégé par un bon calage postérieur. Le meilleur calage que vous pouvez avoir, c'est de la prothèse fixée. Ensuite, l'implantologie. Et dans un second temps, les stellites, les PAPC, prothèses adjointes partielles coulées. Maintenant, la prothèse adjointe partielle coulée, ça va, c'est bien, c'est quelque chose qui vous permet de maintenir quand même un semblant de calage, mais qui peut ne pas être stable dans le temps. Mais ne vous fiez jamais à tout ce qui est prothèse à support purement gingival ou muqueux. Par exemple, là, je suis en train de parler de la valplaste. Mettre la valplaste au niveau du secteur postérieur, c'est ne rien mettre, tout simplement. Parce que c'est une prothèse qui va s'enfoncer de 2 mm, alors que les dents, non. Et forcément, quand le patient va serrer les dents, vous êtes sur une surcharge antérieure qui va générer forcément des fractures ou pas mal de soucis. Donc, évitez et pensez plutôt à des outils thérapeutiques ou à des artifices thérapeutiques qui vont assurer un bon calage, donc une bonne sustentation. Voilà, donc ça c'est un peu le volet du calage sur lequel je voulais insister. Le centrage, je ne vais pas l'aborder parce que c'est une grande histoire. Il est beaucoup plus en rapport avec les problèmes articulaires. Donc sachez que quelqu'un qui a des dysfonctionnements de l'appareil manducateur, faut jamais aller directement vers la réhabilitation globale. Il faut aussi éviter, à mon sens, de dire que bon, le patient présente un petit claquement, c'est pas grave, on va avancer dans notre approche. Non, un petit claquement, c'est le début d'un dérangement intra-articulaire. Et tout dérangement peut forcément et probablement, hein, dans la plupart des cas, évoluer dans le temps vers des problèmes beaucoup plus compliqués. Donc un déplacement discale irréductible avec des limitations d'ouverture, avec beaucoup de soucis. Donc là aussi, quand vous avez un DAM, c'est-à-dire dysfonctionnement de l'appareil manducateur, il faut le traiter tout d'abord. Et quand le patient cette fois-ci n'a rien, eh bien, faites votre maximum pour ne pas le décentrer. Donc ça, c'est un peu tous les éléments que le professeur Lahalakri avait abordés l'autre jour. Il a montré comment donc gérer ce genre de situation avec brio. Et maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est la fonction, encore une fois, si vous la réussissez sans qu'il y ait d'esthétique, ça n'a pas de valeur. C'est, vous faites quelque chose de fonctionnel, le patient arrive à mastiquer, les phonèmes sont là, donc, mais d'un point de vue esthétique, c'est pas satisfaisant. Donc, en fait, vous, en tant que chirurgien-dentiste, vous avez atteint vos objectifs et vos impératifs fonctionnels, mais le patient, s'il n'est pas satisfait de ce que vous faites, ou du résultat que vous lui avez offert, eh bien, il y a quand même une frustration chez lui ou chez vous-même en même temps. Maintenant, l'esthétique, sans que la fonction soit bien assurée, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Et dans cette réhabilitation esthétique, j'en profite donc pour que je fasse une grande introduction pour ce que je suis en train de présenter. Il y a dans cette gestion esthétique deux notions qui me sont assez spécifiques. Enfin, c'est ce que je pense. Je suis en train de partager avec vous ce que je pense. Il y a la notion de la difficulté, il y a la notion du défi. À mon sens, la notion de difficulté d'un cas, elle est beaucoup plus relative à la manière dont vous allez appliquer un protocole. C'est-à-dire que la solution, elle est là. Les protocoles sont connus et sont publiés et sont même. Vous allez pouvoir les rencontrer dans des conférences, sur des bouquins, sauf que il se peut que ce soit un peu difficile à mettre en œuvre, à appliquer, parce que c'est fastidieux, parce que c'est techniquement compliqué. Donc là, tout simplement, il y a une courbe d'apprentissage, il faut s'y mettre avec dextérité, avec attention et avec implication, et observer une certaine courbe d'apprentissage et d'évolution. Donc, au fur et à mesure, cette difficulté va se résorber, va disparaître et vous allez devenir plus performant. Donc, vous ne pouvez pas atteindre ça du premier coup. Et surtout, si vous voulez faire vite en esthétique, on ne peut pas faire vite ou du moins tout faire vite. Donc, il y a cette notion. Dans un second temps,
Il y a la notion du défi. Alors, la notion du défi, c'est à mon sens quelque chose qui va défier nos sens. C'est-à-dire qu'on a maintenant les outils, on a les protocoles. Mais en fait, il y a un certain nombre de sens qu'on a qui ne sont pas performants. Je vous donne un exemple. Vous faites votre propre relevé visuel de la couleur chez vous au cabinet en s'aidant d'un certain nombre d'instruments et sachez que vous êtes exposé à 50% d'échecs. Donc là, ça, c'est un défi pour pouvoir réussir la teinte chez vous au cabinet directement comme ça, sans que vous soyez aidé par des outils informatisés ou des outils ou des éléments technologiques qui soient beaucoup plus précis que nos sens. Il y a cet aspect. Le deuxième sens, c'est notre appréciation de la chose, notre appréciation de l'esthétique qui est subjective. Là aussi, encore, c'est un défi. Certaines personnes peuvent le faire d'une façon simplifiée, rapide. D'autres, non, ils auront du mal à le faire. Donc, on doit tous céder à ce moment-là, dès qu'il s'agit d'un manquement ou d'un manque de performance au niveau de nos sens. Il va falloir céder d'outils technologiques qui vont nous assister dans cette approche. Et c'est certaines choses, enfin, c'est dans ce sens qu'on va essayer d'aborder notre conférence. Bien, je passe donc au premier cas clinique. C'est un cas qui est d'apparence tout simple. Donc, à mon sens, voilà, la patiente se présente et je pense que ça vous prendra 60 secondes pour donner le plan de traitement et clôturer le débat. Voilà, madame, vous avez une dent qui nécessite d'être reprise et vous avez tout simplement besoin d'une nouvelle prothèse entièrement céramique. Parfait, c'est bien. C'est ce qu'on doit faire d'ailleurs, hein. Sauf que dans mon approche, d'une façon générale, quel qu'il soit le cas, même avec de petites difficultés ou sans difficultés, je vais passer un peu plus de temps à appliquer la checklist esthétique et d'une façon aveugle. Et c'est ce que je vous demande aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous n'entraînez pas votre cerveau et vous-même à l'appliquer, mais d'une façon encore une fois aveugle, pour vérifier systématiquement les axes, s'ils sont bien distalés, les zéniths, s'ils sont à leur place, les embrasures, s'ils sont bien ouvertes ou non, mais sans symétrie, sans progressivement ascendante vers le côté distal. Donc c'est un ensemble d'éléments qu'il va falloir appliquer d'une façon aveugle. C'est comme ça que vous allez devenir infaillible. Ça, c'est l'un des outils qui va vous permettre de vous passer de votre appréciation subjective pour l'esthétique. Donc, si vous jetez un regard comme ça vague pour dire que oui, ça c'est joli ou c'est pas joli ou enfin j'ai l'impression que c'est pas joli mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qui cloche, c'est que justement vous êtes dans la défaillance. Donc il va falloir tout simplement appliquer la checklist. Alors actuellement, on a tous de la chance d'avoir toute une vague aujourd'hui de ce qu'on appelle le Digital Smile Design, c'est-à-dire que c'est le logiciel, c'est l'ordinateur qui prend en charge tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait tout simplement? Il a intégré d'une façon numérique et informatisée ces éléments-là et il va les incorporer directement sur votre cas clinique, hein, et vous générez un résultat qui sera forcément esthétique, bien évidemment, avec quelques variations relatives à la variabilité biologique, ethnique, etc. Parce qu'on n'est pas tous le même et non plus on ne va pas chercher à reformater les gens dans un même cadre esthétique. Donc, il y aurait toujours des choses à modifier, des choses à personnaliser chez un patient ou chez l'autre. J'espère que le débit n'est pas trop, je suis pas trop rapide. Bon, vous me le dites si vous voulez que je ralentisse un tout petit peu ou si vous trouvez que c'est bon, c'est dites-le-moi. Alors, en même temps, dans ce genre de situation, dès que j'applique ma checklist esthétique, ce qui me permet de localiser les défauts et les anomalies, il est le plus simple. L'approche la plus simple, c'est de modéliser votre nouveau sourire ou votre projet final. Pour le modéliser, vous avez deux techniques, hein. Vous avez la technique conventionnelle qu'on a tout le temps fait depuis des dizaines d'années, hein, c'est le WhatsApp. Donc là, encore une fois, l'erreur qu'on peut faire, c'est de ne pas diagnostiquer nous-mêmes les anomalies et compter sur notre prothésiste pour qu'il le fasse. Il va pouvoir le faire, mais de quelle manière? Sachez toujours que votre prothésiste n'a pas le visage, n'a pas tous les éléments colorés, n'a qu'un
petit modèle finalement qui ne rend compte que la morphologie des dents, même pas la couleur, même pas. Donc, il a très peu de données pour le faire. Donc, ce qu'il faut faire, il faut qu'on soit réaliste dans notre approche. Il faut que impliquer davantage le prothésiste dans notre, parce qu'en fait, on est une équipe. Hein. C'est comme le pilote et le copilote. On peut pas finalement se être en désaccord communicationnel. Ça ne pourra pas marcher. Donc, ce que je fais personnellement, je prends des photos, je marque les anomalies et je transfère cette photo. Et c'est comme ça que lui, il est renseigné sur la chromaticité des, enfin, les données chromatiques, morphologiques, et il sait ce que je veux. Et il peut, cette fois-ci, me donner et me fournir davantage d'informations et de choses que j'ai pas vues, moi, peut-être, et qui relèvent de sa dextérité manuelle et de son expérience à lui. Donc là, c'est une sorte de collaboration qui va potentialiser le travail esthétique que vous faites. De l'autre côté, vous pouvez aussi aller vers le digital smile design. Donc, tout simplement, designer son propre sourire chez vous, hein, vous-même, si vous voulez, sur différents logiciels qui peuvent être open, ça peut être Keynote, ça peut être Photoshop, ça peut être des logiciels propriétaires qui se vendent et qui sont assez performants aussi. Et pour la plupart, ils vont vous faire gagner un peu plus de temps. Mais en termes d'efficacité, d'efficacité, de beauté du résultat, eh bien, il y a une grande différence et vous en trouverez des performants, d'autres un peu moins. Bien, on arrive maintenant à notre cas clinique. Pour cette analyse esthétique rapidement, il y a un élément principal sur lequel je voudrais revenir pour vous tous et qui, normalement, devra mener à la réussite de ce cas. On peut tout simplement déposer cette prothèse, prendre l'empreinte, demander une autre prothèse entièrement céramique et finir avec ce cas. Mais le souci va être autre chose. Alors, déjà une petite analyse, une fois qu'on avait déposé la prothèse, regardez. Donc ici, il y avait un hiatus et ça c'est un peu la chaîne de production, donc c'est l'empreinte, c'est la précision au moment de l'essai clinique, au laboratoire également, des choses auxquelles il faut faire attention. Alors là, on voit très bien une perte d'étanchéité, une solubilisation du ciment. Ça, c'est un ciment verionomère qui a dû être solubilisé parce qu'il y a eu un hiatus. D'accord? Maintenant, un petit conseil, surtout si vous utilisez des ciments, il faut jamais sceller et libérer le patient au moment même, parce que le joint n'a pas encore pris. Il faut absolument maintenir le joint loin de la salive au moins pendant 5 minutes. 4 à 5 minutes, c'est important qu'il soit isolé pour que ce joint puisse faire sa prise correctement, qu'il n'y ait pas de solubilisation. Sinon, si on s'amuse à faire seulement et puis on laisse se rabattre la gencive, enfin les lèvres et enfin les tissus mous, et puis tout baignera dans la salive, forcément, tout ça ne va pas prendre beaucoup de temps avant qu'il tombe ou avant qu'il y ait reprise de carie. Maintenant, ce qui m'embête dans cette situation, c'est que regardez l'état de la 21. Alors, votre prothésiste, si vous lui donnez une empreinte comme ça, il sera obligé de reproduire la 21. Or, c'est une dent de référence pour nous, donc cette notion, il est fondamental. On ne peut pas avancer sans avoir déjà bien corriger et bien comme il faut cette dent de référence d'un point de vue chromatique et morphologique. Vous voyez que l'angle mésial il est détruit, il n'est pas bien sculpté et en plus on a carrément une carie proximale et puis une défaut des joints vieillissants et un changement de couleur du composite. Donc la première des choses c'est de finir avec sa dent de référence, il faut qu'elle soit nickel. Et à partir de là, le prothésiste aura une dent de référence qu'il va pouvoir copier et gérer la symétrie au niveau morphologique. C'est ce qu'on va faire. Petite stratification, bien évidemment, on va nettoyer, enlever l'ancien composite défectueux. Petite stratification. Et puis voilà, après polissage, on va pouvoir restaurer donc l'angle mésial correctement, les lignes de transition et faire une bonne finition. À partir de là, on est bon. On a géré notre dent de référence. Ce qui reste à faire maintenant, c'est aller
et s'intéresser au moignon. Maintenant, notre moignon, si vous faites attention, je vais revenir, le voilà, c'est une dent vivante et on va la laisser vivante. C'est une dent qui a un passif, qui a été encore une fois agressée, donc elle est très fragile. Et sachez que d'une façon générale, la plupart du temps, les agressions, elles sont beaucoup plus bactériennes plutôt qu'autre chose. Donc moi, je vais faire très attention, je vais travailler avec une fraise de finition, sous irrigation, sous anesthésie, bien évidemment. Et dès que je vais finir, je vais surtout protéger le faux moignon. De quoi? De la contamination bactérienne qui provient principalement de la salive. Les études ont montré que la plupart des échecs dont une ampoule perd proviennent de la contamination bactérienne beaucoup plus que de beaucoup plus que de l'agression par la fraise ou par, enfin, physique et mécanique. Dans ce sens, vous avez plusieurs choix. Soit que vous allez faire des préparations soudiques, chose qui reste un peu compliquée à faire et à instaurer à chaque fois, sauf pour ceux qui ont eu l'habitude. Maintenant, la digue, on la fait beaucoup plus pour le collage, mais on peut toujours la mettre pour la préparation. Je vous encourage à le faire si vous avez adopté ce protocole, c'est parfait. Sinon, directement, une fois que vous avez fini votre préparation, donc la dentine, elle est toujours fraîche, elle est fraîchement taillée, elle est propre, eh bien, il va falloir l'asperger avec la chlorhexidine à 2%. La chlorhexidine à 2% est un bactéricide très fort, mais qui est surtout doté d'une fonctionnalité importante qui est la rémanence. Et la rémanence, c'est-à-dire le fait qu'il soit actif et qu'il va rester actif pendant 6 à 12 heures. Et ça, c'est ce dont on a besoin. En plus de ça, il va agir également sur les MPM, les métalloprotéases matricielles, qui sont en fait des enzymes qui vont émerger de la dentine et qui auront tendance à dégrader la liaison entre votre adhésif et votre dentine. Donc, on va participer quand même à retarder le vieillissement de ce joint au long terme. Donc, deux effets importants pour l'application de la chlorhexidine. C'est pas quelque chose qui est cher. Ça coûte dans les 30-35 dirhams, un flacon de 250 millilitres, je pense. Donc, c'est quelque chose qui est très accessible. À défaut, si vous n'en avez pas, faites au moins un rinçage avec le bain de bouche. C'est probablement mieux que rien. Il y a d'autres molécules que vous pouvez utiliser, le BAC, balsacolium chloride, bactériostatique. Et maintenant, une fois que vous avez désinfecté votre dent, eh bien sachez que ce n'est pas définitif et peut toujours être recontaminé. Donc finalement, la meilleure solution pour protéger votre moignon s'agissant d'une dent vivante, c'est l'IDS, l'Immediate Dentine Sealing. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez taillé votre dentine, vous avez ouvert des canaux directement connectés à la pulpe. L'idéal, c'est de les fermer. Et de les fermer comment? En appliquant tout simplement un adhésif, n'importe quel adhésif. On verra après le choix des adhésifs pour cette opération. Donc voilà. Sur cette dent, c'est ce que je vais faire, nettoyer, application de la chlorhexidine à 2% pour la protéger, dans la désinfecter, et l'application de mon adhésif. Juste avant d'appliquer votre adhésif, donc réaliser votre IDS, on peut penser à appliquer un désensibilisant, desensitizer, chose que vous trouvez le plus souvent dans vos coffrets composites, un petit flacon qui rôde là-bas et quelquefois auquel on fait même pas attention. Donc ça, c'est un désensibilisant, le plus souvent à base de phosphate calcium, qui est très biocompatible et qui fera désensibiliser les prolongements de temps, ou enfin le complexe dentino-pulpaire. Et ça, on applique un petit rinçage au niveau de la dentine, on sèche. Et on applique notre IDS. L'IDS, encore une fois, je rappelle, c'est la simple opération d'appliquer un adhésif photopolymérisant sur votre moignon dentaire. Maintenant, en fait, quel est l'avantage finalement d'appliquer cet adhésif? Eh bien, c'est clair, c'est assez évident. Vous êtes en train d'oblitérer l'ensemble des pertuis dentinaires. Donc, vous protégez fortement votre dentine contre les agressions chimiques et même mécaniques, physiques plutôt, chimiques et physiques, donc la chaleur, le froid et tout ce qui est chimique. En même temps, si vous avez à faire un collage secondaire après, vous évitez à la dent cette dynamique de contraction, de polymérisation de la colle, parce que la colle ne viendra pas toucher et effectuer une nouvelle
couche hybride avec la dentine. Non, il va tout simplement coller sur la couche de l'IDS qui est déjà présente. La question qu'on peut se poser, c'est quel adhésif en fait? Alors, je vais dire d'une façon générale, n'importe quel adhésif, hein? Sauf que il va falloir bien connaître son adhésif. Si vous savez de quelle génération il est et comment il doit être appliqué, eh bien, ça ne posera pas de souci. Vous aurez une couche hybride et vous aurez un collage. Je vais dans ce sens ouvrir une petite parenthèse à propos donc de cette opération d'adhésion. Et l'adhésif, il est bien au centre. Parce que finalement, pour tout ce qui est matériaux de collage qui n'ont pas de propre potentiel intrinsèque à l'adhésion, on est obligé de faire appel à un système adhésif. Et ce système adhésif, il permettra de coller donc l'émail, la dentine et la dentine radiculaire. Et bien évidemment, il y a une grande différence entre la dentine radiculaire et la dentine coronaire. Bon, c'est pas la dentine radiculaire n'est pas notre sujet aujourd'hui. Puis de l'autre côté, vous avez ce même adhésif qui va faire l'interface de l'autre côté avec d'autres substrats. D'accord? Ces substrats peuvent être du composite de laboratoire. J'ouvre encore une petite parenthèse sur les composites de laboratoire, puisque d'une façon générale, ce qui arrive quand vous demandez à votre laboratoire de vous fournir un îlet en lait en composite, eh bien, assurez-vous que le composite qui a été utilisé est un vrai composite de laboratoire, parce que il y a une grande différence entre un composite de stratification que vous utilisez au cabinet et celui du laboratoire. Celui qu'on a au cabinet est un composite qui n'est pas très très chargé, d'accord? Par rapport à celui du laboratoire. Celui du laboratoire, il est extrêmement chargé par rapport à ce qu'on utilise nous au cabinet. Donc déjà, au niveau de la composition, il y a une grande différence. Dans un second temps, au niveau de son traitement au laboratoire, c'est-à-dire sa cuisson, sa photopolymérisation, sa réticulation plutôt, on a toujours recours à deux modes de cure et de réticulation. Le plus souvent, c'est soit une photo et thermopolymérisation, soit une photo et mise sous pression, sous gaz inerte. Donc, il y a toujours en fait deux modes. Et ça, c'est des machines spécifiques vendues avec, en général, le matériau composite de laboratoire. Mais quand votre prothésiste va prendre tout simplement un tube qui est le moins cher du marché pour vous façonner une pièce en composite sous forme d'îlet en lait, eh bien là, on n'est pas dans les mêmes propriétés mécaniques ni même dans la durabilité, la pérennité de ce produit. Donc, quelquefois, vous pouvez même tomber sur des composites qui, enfin, des prothésistes qui vont probablement ne pas faire la différence ou, enfin, pour eux, un composite ou un îlet en lait en composite, c'est tout simplement le fait d'utiliser le composite de stratification. Non, il y a une différence. Bien. S'il s'agit maintenant d'un composite de stratification, vous n'avez réellement pas besoin de grand-chose, un adhésif fait l'affaire. Mais si c'est un composite de laboratoire, très chargé, on a besoin d'appliquer une couche de silane. D'accord? Ça, c'est un peu la différence. Pour les vitrocéramiques, la même chose, une couche de silane et puis vous passez votre adhésif. Mais s'il s'agit de zircone, eh bien, on a besoin d'une autre molécule qui est l'MDP, donc qui a des ponts phosphates qui vont pouvoir établir des liaisons avec l'infrastructure zircone. Voilà. Donc ça, c'est en résumé le rôle de notre adhésif. Brièvement, par rapport à l'action du mordançage, totalement différente entre les deux mondes, émail et dentine. L'émail est un milieu sec où il n'y a pas d'humidité. Sur la première photo, enfin, schéma de coupe microscopique, vous voyez les cristaux avec la substance intercristalline. Et l'attaque chimique, il va faire une déminéralisation intra et péricristalline, d'accord, ce qui va donner cette géographie très propice au collage d'un point de vue micromécanique. Mais encore, d'un point de vue chimique aussi, parce que la résine elle est hydrophobe et la surface amélaire elle est sèche. Donc du coup, il y a rien qui va bloquer cette liaison chimique. C'est pour ça qu'en général, on a une parfaite liaison entre l'émail et les adhésifs. Par contre, du côté de la dentine, non, c'est un milieu humide
Et les résines qu'on a, ce sont des résines hydrophobes. Donc, il faut absolument utiliser des agents de couplage qui vont allier le côté humide de la dentine et le côté hydrophobe de la résine. Petite précision là. Tout à l'heure, nous parlions de la gestion de la contamination de la dentine. Là, vous avez un etching qui contient du lac de benzalkonium chloride. Donc, vous faites en même temps le etching et en même temps, vous êtes en train de d'appliquer un bactériostatique et donc vous participez à protéger votre dentine. Maintenant, la question était quel adhésif utiliser pour notre IDS? Et j'avais dit globalement, vous pouvez utiliser tous les adhésifs, ça dépend de ce que vous avez. Mais le plus important, c'est de savoir ce que vous avez parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on achète un coffret de collage. Mais on s'intéresse même pas à l'adhésif. Il est là pour qu'il soit appliqué. Et si vous savez que des adhésifs, s'ils sont mal utilisés ou s'ils sont utilisés selon des protocoles pas corrects, eh bien, ça risque de générer des forces d'adhésion qui sont totalement faibles ou drastiquement faibles. Ça, on va le voir. Alors, récapitulation rapide. À gauche, vous avez les etching rinse ou les mordansages-rinçages en trois étapes et les mordansages-rinçages en deux étapes. Ça, c'est des systèmes adhésifs qui ont apparu durant les années 90, donc je pense qu'il y a une vingtaine d'années maintenant qu'on les utilisait. Ils sont toujours sur le marché, on peut les trouver difficilement pour le MR3 en trois étapes. Et sachez que c'est les MR3 qui vont nous donner les meilleures forces d'adhésion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir obtenir jusqu'à 17-18 mégapascales au niveau de la force de liaison. Rien ou aucun des autres adhésifs qui vont venir après ne vont pouvoir atteindre les 17-18 mégapascales. On verra un tout petit peu comment les autres vont se comporter. Alors, ces adhésifs MR2, MR3, comme ils sont dépendants d'un etching préalable, eh bien, ils savent très bien éliminer la boue dentinaire. Donc ça, c'est un paramètre assez important dans notre préparation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est indiqué aujourd'hui pour pouvoir améliorer la liaison dentine, enfin la liaison avec la dentine, c'est de laisser la surface dentinaire rugueuse. Donc, dans ce sens, si on veut le faire, il va falloir utiliser des fraises rugueuses, donc diamantées. Il va falloir même laisser ces traits de rugosité au niveau de sa surface. On n'a même plus besoin de les lisser. Alors, par contre, enfin, de cette manière, enfin, les études, ça c'est les études de Pascal Mann lui-même. Il a remarqué qu'en fait, cette irrégularité, cette rugosité de surface fait que la liaison avec la dentine est très intéressante et génère des forces de liaison importantes. Maintenant, si vous utilisez ces fraises-là, sachez qu'ils vont générer une smear layer, une boue dentinaire assez abondante, que les autres systèmes de type SAM ne vont pas pouvoir solubiliser et traiter. Donc, vous êtes obligé d'utiliser les MR3 quand vous avez envie d'avoir une force de liaison importante et forcément utiliser des fraises congées de gros diamètre. Donc, ça, c'est un peu l'idée par rapport au MR3, MR2. Maintenant, vous avez acheté un coffret composite, vous avez acheté votre propre adhésif directement. Vous savez que c'est un SAM1, système auto-mordant en deux étapes. Je ne pense pas qu'ils sont assez abondants aujourd'hui sur le marché. Le plus souvent, on est sur du SAM1, un seul flacon, d'accord? Où on trouve tout, acide, primer, résine. Et ils vont être forcément et obligatoirement utilisés sur la dentine sans mordansage. Donc, on ne vous demande pas de mordancer cette fois pour les SAM. Il va falloir, dans ce cas, ne pas utiliser des fraises diamantées en fin de préparation. Au contraire, il faut aller vers des fraises carbure tungstène. Pourquoi? Pour avoir la surface la plus lisse possible et pour éliminer le maximum de la smear layer. Parce que ces matériaux ne peuvent pas gérer une grosse quantité, une grosse épaisseur de smear layer. Donc ça, c'est un peu les recommandations cliniques par rapport à l'usage de ces matériaux adhésifs. Donc,
On a commencé par les MR3, puis il y a eu développement des SAM, et puis dernièrement, on parle d'une nouvelle catégorie. Enfin, dernièrement, ça fait quand même 4 ans, je pense, ou un peu plus. C'est la génération des systèmes adhésifs universels. Mais avant de passer à cela, je vais juste dire un petit mot rapide sur les systèmes adhésifs Safe-H, qui sont donc les SAM. Alors, ces systèmes, en fait, ce qui est préconisé comme approche, c'est de mordancer les mailles avec un mordant sans HPO3 à 37% qui doit être gel. Pourquoi gel? Pour qu'il ne dégouline pas sur la dentine. Donc, il faut faire ce qu'on appelle le selective H. D'accord? Il faut tout simplement mordancer la périphérie amélaire sans toucher les mailles. Mais si vous avez auparavant un MR3 que vous aviez l'habitude de tout mordancer émail et dentine et que vous refaites la même chose avec les systèmes adhésifs SAM, sachez que vous allez perdre énormément au niveau de la rétention et de la force d'adhésion entre votre adhésif et la dentine. Il y aurait une bonne adhésion au niveau de l'émail, mais une mauvaise adhésion au niveau de la dentine. Donc ces adhésifs de type SAM ne sont pas faits pour cela. Faites attention. Donc, on les appelle Selective H. Vous êtes obligé de ne pas mordancer la dentine. Voilà. Bien. Maintenant, donc, on est passé du Total H ou MR, Safe H, où on applique la Selective H. D'accord? Les SAM, donc, où il faut appliquer le mordançage que de la partie amélaire, vers aujourd'hui les adhésifs universels. Alors les adhésifs universels, c'est un changement de paradigme en fait, et vraiment un grand changement aussi au niveau de la formule, où on a pu mettre aujourd'hui des monomères hydrophiles, des monomères hydrophobes, et beaucoup de solvants, énormément de solvants, mais surtout de l'eau. Et la proportion de l'eau, c'est ce qui fait toute la différence entre les différents adhésifs qui existent aujourd'hui sur le marché. Parce que c'est l'eau qui va faire jouer le rôle de support pour l'ensemble de ces éléments-là. Alors, ce qui arrive également, et dû justement à la présence de cette eau, c'est que si vous laissez votre flacon ouvert pendant très longtemps ou après plusieurs utilisations, il va s'évaporer et vous aurez une séparation de phase. Et ça, c'est pas bien parce que les propriétés finalement de votre adhésif ne vont pas rester les mêmes. Donc, utilisez-le et fermez-le immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous apportent les adhésifs universels? Ce sont des adhésifs qu'on va appeler adhésifs multimodal. Ça veut dire qu'on pourra les appliquer d'une façon indifférente sur l'émail et la dentine dans les deux modes. Que ce soit on a fait un total H, on a mordancé et l'émail et la dentine, ou dans le cas où tout simplement on a mordancé que l'émail. Dans les deux situations, ils vont vous donner plus ou moins une bonne capacité d'adhésion. Alors, je reviendrai encore pour dire que quand je dis une bonne capacité d'adhésion, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont égaler les MR3, les mordançages, rinçages en 3 étapes. Eux, les MR3 qui arrivent à 17-18 mégapascales. Alors, si on parle maintenant des universels, on est aux alentours de 14-15 mégapascales. En quoi, en fait, il est intéressant quelquefois d'aller chercher 17-18? Eh bien, c'est pour retarder au maximum le vieillissement. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, 5 ans, il y a un vieillissement forcément de cette liaison entre la dentine et votre adhésif. Et au lieu d'avoir, donc, si vous commencez à 17, c'est sûr qu'au bout de 5 ans, ça va chuter vers 14, 13. 10 ans, la même chose, 12. Donc, on sera très content après 10 ans de fonctionnement d'avoir quand même une liaison à 12 ou 13 mégapascales. Mais si on commence par exemple à 12, par exemple, eh bien, au bout de peut-être 4 ans, 5 ans, on est en dessous de la moyenne et on pourra avoir des décollements, ce qui arrive le plus souvent pour les composites, qui au bout de 3-4 ans changent de couleur, s'infiltrent et par vieillissement de ce joint, eh bien, soit ils tombent, soit on les change forcément pour disgrâce chromatique. Donc voilà. Donc l'idée c'était de bien comprendre le fonctionnement de connaître tout d'abord son adhésif, d'éviter de le mal utiliser. Et une fois que
On comprend cela, on peut avancer sereinement dans notre approche du collage. Alors, juste pour comprendre quelle est la grande différence aujourd'hui entre un adhésif universel et un adhésif simple, d'accord? Vous voyez là, c'est la même marque commerciale. Et au niveau à droite, enfin à droite en bas, vous avez deux petites fiches comparatives où on trouve à peu près les mêmes composants entre le SAM et l'adhésif du universel. Qu'est-ce qu'on rajoute en plus? Eh bien, on va rajouter des monomères phosphates MDP et du silane. Et rapidement, un monomère MDP, c'est quoi? C'est un agent de couplage qui est très acide, qui a la possibilité de mordancer des mailles à lui seul et la dentine. Et il a aussi des capacités avec ses ponts phosphates de se relier à la zircone, aux matériaux non précieux, donc tout ce qui est cobalt chrome, nickel chrome. Et voilà, donc il permet également de potentialiser le pouvoir mordançant de notre adhésif. Donc les SAM qui étaient défaillants en termes de pouvoir mordançant, ils ont été disons, améliorés par rapport à cet aspect-là par adjonction de l'MDP. En plus, on a rajouté du silane. Donc le silane, c'est également un agent de couplage bipolaire qui permet de coller ou enfin, d'établir une liaison avec tout ce qui est vitrocéramique. Donc on peut imaginer que notre adhésif universel est une solution miracle dans laquelle vous avez donc tous les éléments qui permettent de faire adhérer et établir une liaison, une adhésion à l'émail, la dentine. Et de l'autre côté, finalement, en incorporant l'MDP et le silane à tous les substrats, puisque toutes les céramiques vitreuses, donc feldspathique, disilicate de lithium, vont bénéficier du silane pour établir une liaison. Et l'MDP, il va également. L'MDP, il va également permettre la liaison avec tout ce qui est surface métallique, nickel chrome, cobalt chrome, donc céramo métallique que vous utilisez aussi bien que la zircone. Or, ce qu'on a pu comprendre à travers la littérature, à travers les études, c'est que la performance de l'ensemble de ces molécules, une fois mises ensemble, ne sont pas les mêmes que quand elles sont purement et enfin utilisées à l'état pur. Par exemple, le silane est une molécule très volatile, de 1, de 2, très sensible à l'acidité. Dans un milieu très acide, elle perd en efficacité. Donc, on ne peut pas dire que le silane que vous avez dans vos flacons d'adhésif universel sont des silanes très très actifs. Vous pouvez dépanner pour des choses simples, mais vous pouvez pas compter sur eux pour des restaurations où on a vraiment partiel, par exemple, facettes, etc. Où on a réellement besoin d'une force d'adhésion assez importante. Et sachez que le silane existe sous plusieurs formes. Une forme pure, non activée, puis une forme préactivée, puis une forme où il est mélangé à l'MDP. Bref, donc voilà, ça c'était un tout petit peu tout ce que vous devez savoir sur les adhésifs universels. Je ne sais pas si on arrive à les appeler aujourd'hui septième génération, puisque les SAM étaient la sixième génération, mais jusque-là, je n'ai pas encore rencontré ce terme dans la littérature. Très bien. J'espère que vous n'êtes pas fatigué, hein. Je vous invite chacun d'entre vous à consommer sa boisson préférée. Ah, chacun sa drogue. Moi, la mienne, je ne sais pas si vous arrivez à l'écouter, à entendre. C'est un bon thé, hein, Sahraoui. Bien, à chacun, celui qui prend du café, celui qui prend de la tisane, et tout le reste, hein, les jus. Bien. Alors, regardez donc que. Encore une fois, on est toujours devant l'IDS. Alors l'IDS, c'est quand même un sujet qui est très passionnant et on a l'impression que c'est quelque chose de très simple, mais il y a beaucoup de science derrière. Et ça nécessite réellement d'être développé et moi j'adore ce que Pascal Magnus fait sur cela. D'ailleurs, j'ai assisté ces derniers temps à
C'est live, c'est vraiment magnifique. Ils font beaucoup de recherches dans ce sens et je vais essayer de vous rapporter quelques-unes de ces recherches. Ils sont même aujourd'hui en train de travailler sur le fait de préchauffer des adhésifs pour pouvoir améliorer tout cela, mais bon, ça reste encore expérimental. Donc, attendant jusqu'à ce qu'il y ait une publication dans ce sens. L'une des choses que je voudrais partager avec vous, c'est l'épaisseur de l'adhésif. Regardez maintenant le moignon que j'expose devant vous. Vous arrivez à voir qu'il est brillant, ce qui n'est pas le cas à chaque fois quand vous appliquez votre adhésif. Quelquefois, il est brillant, d'autres fois, il n'est pas brillant, il est mat. Eh bien, sachez que ce qui se passe que quand votre adhésif est mat, c'est que son épaisseur est trop fine. C'est vrai, ce qu'on vous dit encore une fois d'un point de vue clinique, c'est appliquer votre adhésif, séchez-le. Dans quel sens on le sèche? On le sèche pour le répartir d'une façon autonome, pour ne pas avoir une accumulation dans un coin qui va gêner ensuite la mise en place des prothèses ou notamment la limite cervicale. De deux, on va le sécher pour faire évaporer les solvants parce qu'il y en a tellement et il va falloir qu'ils s'évaporent pour ne laisser que le HMA ou enfin le corps de l'adhésif pour qu'il puisse s'absorber tranquillement sur la surface dentinaire. Si cette couche est tellement fine, donc en deçà de 10 microns, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle se retrouve pénétrée par l'oxygène. Et vous savez que tout adhésif et toute résine en contact avec la surface, en contact avec l'oxygène, elle va être inhibée. Et du coup, ce qui arrive quand cette couche est trop fine, c'est qu'une fois que vous allez la polymériser, elle ne polymérise pas. Et quand elle ne polymérise pas, elle ne durcit pas. Et elle est poreuse. Et du coup, elle n'est pas brillante. Parce qu'en fait, la brillance, d'où est-ce qu'elle vient? C'est quand la lumière, elle tape sur une surface. Quand cette surface est hermétique, est lisse et plate, elle va réfléchir. Elle va générer ce qu'on appelle la réflexion spéculaire. Mais quand cette lumière, elle tape sur une surface accidentée, poreuse, parce qu'elle n'a pas polymérisé, parce qu'il y a beaucoup de porosité relative à l'évaporation du solvant et de l'eau, il y aurait de la diffraction de la lumière et ça va apparaître mat. Même quand vous passez votre sonde, eh bien, c'est rêche, c'est rugueux, c'est pas lisse. Donc là, vous comprenez que votre IDS n'est pas bonne. Il va falloir reprendre. OK? Donc, votre IDS, il va falloir. Par rapport à l'épaisseur de votre adhésif, qu'elle soit quand même assez épaisse. Hein. On aimerait, Pascal Mann, il parle quand même de 20 à 30 à 40 microns, carrément. Pourquoi? Parce que l'oxygène y pénètre assez profondément. Du coup, quand c'est brillant, quand c'est épais, eh bien c'est bien. Ça, c'est un bon paramètre à surveiller. Il y a également deux choses auxquelles il faut faire attention. C'est que quand vous faites l'IDS sur vos dents naturelles, vivantes, dès que vous voulez ensuite faire une provisoire, parce que vous êtes obligé, urgence esthétique, et bon, même pas d'urgence, c'est systématique pour maintenir la gencive, guider la cicatrisation et protéger le moignon. Vous avez un gros souci, c'est que la résine va coller sur de la résine. Hein. L'adhésif est une résine et la résine blanche PMMA que vous allez utiliser, ils vont coller et ça va être même impossible de déposer. Il va falloir fraiser, ça va être une catastrophe. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez un peu de vaseline pour séparer, ce qui est indispensable avant de faire votre provisoire, soit que vous allez... Non, non, en fait, il n'y a que ça. Par rapport à la provisoire, ben, c'est ça. Donc, vous n'avez pas le choix que d'aller vers ça. La deuxième solution, en fait, c'est le Provicote. C'est un produit de Bisco qui permet de jouer le rôle d'isolant. Vous pouvez essayer la glycérine, mais pas aussi isolante que n'est pas aussi isolante que la vaseline. Voilà, tout à fait. Je reviens à monter. Alors, l'autre paramètre, c'est l'empreinte. Au moment où vous allez vouloir prendre l'empreinte, ce qui peut arriver, c'est que les matériaux silicone, ils sont incompatibles avec les adhésifs, donc ils ne vont pas polymériser. En contact de l'adhésif, il y a une inhibition de polymérisation que vous allez reconnaître en regardant au niveau de votre empreinte et vous allez voir que c'est grumeux, que c'est rêche, que c'est pas lisse, que c'est pas continu. Et donc vous sachez, vous allez savoir, ça vous allez le faire une, deux, trois fois
Et demandez également à voir vos modèles coulés. Vous allez comprendre que c'est pas joli. Donc, vous saurez qu'il y a une incompatibilité entre votre matériau silicone et votre couche et votre IDS. Alors, comment faire encore une fois pour isoler, pour résoudre ce problème? Dans cette situation, ce qui est indiqué, c'est de couvrir tout le moignon, si c'est une couronne, avec une très faible couche de composite fluide. Parce qu'il y a beaucoup moins de problèmes avec les composites fluides qu'avec les adhésifs. D'accord? Donc ça, c'est l'une des solutions que vous pouvez faire et donc éviter d'avoir ce problème. Bien, avançons. Alors là, un petit clin d'œil aux collègues dentistes qui privilégient l'authenticité et qui vont utiliser l'oxyphosphate de zinc. Sachez que c'est une contre-indication d'utiliser des ciments à base d'oxyphosphate de zinc quand on fait l'IDS. Pourquoi? Pour la simple raison que on va perdre 42% au niveau de la rétention. Donc on ne peut pas allier authenticité et modernité. Je ne parle pas du parti. Mais soit que vous restez dans l'authenticité, dans ce cas-là, il ne faut pas faire de l'IDS, il faut désensibiliser, désinfecter, mettre une provisoire d'une façon hermétique et puis utiliser votre oxyphosphate de zinc, sinon passez au CVIMAR. Et dans ce cas-là, vous allez systématiquement gagner 55% au niveau de la rétention. Donc là, vous êtes même sur des performances assez proches du collage. Donc ça, c'est l'un des avantages aussi de l'IDS. Donc, à un certain moment, il va falloir passer. Alors, tout ce qu'on vient de voir, c'était un peu de la science, d'accord? Et c'était pour réussir le collage. C'est important de maîtriser ce genre d'informations pour ne pas commettre des erreurs qui vont vous coûter cher après. Comment? Par des sensibilités post-opératoires, par des échecs, par des décollements, etc. À ce stade-là, je fais ma provisoire. Donc la 11 est une provisoire qui a été faite sur fauteuil par la technique de la facette, tout simplement. Mon objectif, c'était de symétriser, de vérifier si l'espace est suffisant, de symétriser principalement le contour gingival. Ça, vous pouvez le faire avec votre bistouri, que je n'aime pas parce que ça laisse des saignements difficilement contrôlables, qui durent plusieurs minutes. Et j'adore le faire avec le laser. Hein. Le laser, c'est rapide. C'est un petit geste précis et la coagulation se fait en temps réel. Vous pouvez même prendre vos empreintes immédiatement sans que vous soyez gêné par les exudats et le saignement. Donc l'objectif ici, c'était de symétriser le contour gingival, de retracer le zénith, de vérifier si les lignes de transition sont bonnes, vérifier le point de contact, sa position en fait, pour ne pas déranger la papille. Hein. Et là, le plus souvent, il faut penser à la règle de Tarnow pour ne pas générer donc un trou noir après. Un des paramètres quand il s'agit des dents antérieures. Primordial, hein, c'est l'état de surface. Une dent lisse, c'est une dent qui réfléchit énormément de lumière, jusqu'à 70%. Une dent rugueuse, il va diffracter et disperser la lumière, il va paraître un peu moins lumineuse. Donc, le prothésiste, il a besoin de connaître cette information que vous allez lui transmettre par une photo. Et cette photo, pour qu'elle que ce soit le cas, il faut qu'elle soit prise avec un système adapté. Donc, un appareil photo avec des flashs latéraux, surtout déportés latéralement à l'aide d'un bras articulé avec des pocket bouncers, avec ce que vous voulez, il n'y a pas de problème essentiel. Dès que vous écartez les spots ou les flashs, vous arrivez à identifier tous les détails de surface. Et puis, au laboratoire, c'est tout un travail d'art qui va se faire avec des techniques actuellement bien rodées, donc rien à dire dans ce sens. Voilà, donc on arrive au résultat final où l'aspect symétrique de la gencive donc, donne de la beauté à notre réalisation. La prothèse, on a essayé qu'elle reprenne les plus fins détails au niveau stratification, et voilà, donc finalement c'est une centrale.
Et le grand piège ici, c'était la dent de référence. Si on n'aurait pas géré notre dent de référence au début, bien comme il faut, eh bien, on aurait certainement eu un résultat qui sera absolument pas satisfaisant. Et là, la dent restaurée est une copie symétrique, plus ou moins, hein, en termes morphologiques et en termes de stratification. Bien, donc ça c'était le premier cas clinique. J'ai tardé un tout petit peu sur mes explications. Je pense que je vais pouvoir avancer un peu plus vite après parce que ça va être beaucoup plus des cas cliniques que vous avez déjà peut-être probablement vu ou non, de nouveaux cas cliniques. Donc ça dépend. Bien, je passe rapidement sur un cas de réhabilitation antérieure, cette fois-ci par implant. C'est une jeune qui a perdu sa dent à 17 ans, puis subi un traitement ortho qui a été très bien fait, gestion de l'espace magnifique. Il m'a été ensuite adressé. J'ai ensuite fait une évaluation de l'espace prothétique, aussi bien que du défaut ostéo-gingival. Alors, le cone beam est indispensable. Alors, déjà, on voit que la quantité de la gencive est très favorable à notre réhabilitation. Même avec une bonne couche de gencive kératinisée, et ça c'est tout un avantage pour nous. D'un point de vue osseux, on voit très bien, c'est pas très joli. À gauche, donc vous avez une grosse perte osseuse, mais heureusement, elle est limitée au tiers inférieur ou occlusal de la crête. Et donc on a assez d'espace pour pouvoir mettre en place seulement notre implant. Chose qu'on va faire donc conjointement à une ROG, matériau de comblement, membrane, positionnement le plus correct possible dans le sens mésiodistal et vertical. Et on attend donc la cicatrisation. Donc avec un peu de chance, on arrive à obtenir un beau volume de ostéo-gingival, ce qui va nous faciliter énormément la tâche. Je suis sûr que ça n'arrive pas à tous les coups, hein. Quelquefois, on doit refaire ça deux fois. Ça dépend des techniques, ça dépend du biotype gingival. Donc, quand vous avez de la chance, eh bien, ça donne de très bons résultats du premier coup. Comme on dit. Bien, on passe au deuxième temps chirurgical rapidement. Les provisoires sont faits ou accrochés au fil orthodontique en attendant. Dès qu'on finit cette phase, le high fish, eh bien, à ce stade-là, encore une fois, on va revenir à cette notion de la dent de référence. Notre dent de référence, cette fois-ci, ça va être la 11. Et le décalage ici se fait au niveau du profil, du profil gingival, d'accord? Qui ne présente pas la même morphologie que celui de notre dent de référence, la 11. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est à travers une provisoire, vous allez commencer petit à petit, chaque 3 jours, faire un remodelage au niveau de sa partie cervicale de façon à lui redonner une morphologie similaire à celle de la dent adjacente, de façon à ce que, au bout de quelques semaines, probablement 10 jours, une semaine, enfin 10 jours, 2 semaines globalement, jusqu'à 3 semaines maximum, vous pouvez avoir quelque chose de très beau, de bien sculpté. L'idée, c'est d'avoir la même distance mésiodistale que la centrale. Pourquoi? Parce qu'on est au niveau de l'axe sagittal médian. Et notre cerveau est très puissant à détecter les asymétries et il ne faut jamais avoir une asymétrie au niveau d'une centrale. Donc ça, c'est l'impératif qu'il va falloir qu'on respecte. Une fois qu'on a fini cette approche, on s'est retrouvé avec un petit diastème. Il s'est ouvert entre-temps, puisque c'était un peu compliqué de gérer les contentions. Alors, la solution en concertation avec la patiente était principalement une facette, en fait, au niveau de la 22 pour fermer le diastème. Et là, j'ai tout foiré. Comment? Parce qu'à ce stade, je ne faisais pas très attention à cette notion de la dent de référence. Il y a toujours une dent de référence qu'il va falloir copier. Et voilà donc le résultat final. Pour la centrale, la 21, j'ai pris la 11 comme dent de référence, donc j'ai réussi mon approche. Mais pour la latérale, j'ai oublié de prendre ma dent de référence
au sérieux, donc la 12. Je ne l'ai pas traité, j'ai pas corrigé l'angle cassé. Et le prothésiste a fini par me reprendre l'angle cassé et un contour mésial tout arrondi. Et puis voilà, donc ça fait que il y a quelque chose qui manque. Hein. Si on aurait pu avoir des angles, ça aurait été beaucoup plus charmant. Mais bon, globalement, la patiente était contente du résultat clinique. Et tout le travail qui a été fait au niveau de la gencive, je dis bien que c'est le côté gingival qui génère toute la beauté du résultat. C'est sur cet élément qu'il va falloir se concentrer. Bien, ça, c'était donc les pièges auxquels j'ai été confronté durant ce travail. Un autre cas, et là encore une fois, je vous demande d'appliquer aveuglément la checklist esthétique, et rapidement, vous allez vous rendre compte que les latérales sont trop courtes. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que dans la checklist, on sait que le décalage entre la centrale et la latérale n'est que de 2 mm à peu près. Là, on est sur 4 à 5 mm, donc c'est énorme. Donc le verdict, elle tombe rapidement, et on va tout simplement faire une élongation coronaire rapide. Toute simple. Pour les deux centrales, par contre, alors là, il y a un petit défi et une difficulté, les deux. Donc la difficulté, c'est que une est une dent vivante, la 11, la 21 est une dent dévitalisée. D'accord? Donc voilà comment ça se passe. Sur la dent dévitalisée, moi, je mets systématiquement des fibres de verre. Je ne réfléchis pas, hein. Sur l'autre dent, donc on va faire une préparation pour facette tout simplement. Donc on aura une facette et une couronne. Et là, c'est tout le problème d'accorder en chroma ou en couleur les deux substrats. Voilà donc la gingivectomie qui a été faite tout simplement au bistouri. C'est un très ancien cas. Aujourd'hui, je l'aurais faite volontiers avec le laser, avoir un trait de coupe magnifique, plus franc. Donc voilà les deux dents qui ont été préparées. À gauche, préparation en pleine épaisseur amélaire pour la facette, avec une limite franche, disons juxta ou légèrement sous en proximale, parce que là, je vais entamer le toboggan. Je suis obligé de cacher donc ma zone de jonction. D'autre côté, c'est une préparation, une fois que j'ai fait ma fibre de verre, préparation traditionnelle, avec une bordure amélaire, avec une bordure amélaire périphérique. Et sachez que cette bordure amélaire périphérique, c'est si vous avez l'occasion de la maintenir, faites-le. C'est ce qui, en général, garantit la pérennité de votre prothèse au long terme. Donc brièvement, si vous voulez avoir des limites cervicales très très bien faites, magnifiques, lisses, lisibles avec vos matériaux d'empreinte et au laboratoire, passez des carbures tungstène multilames. Ils sont vraiment des fraises top faites pour ça et vous aurez quelque chose de parfaitement bien lisse et parfaitement bien exploitable. Alors en fait, voilà donc la situation. Je reçois ma facette qui est feldspathique et la couronne qui est zircone. Donc tout ça vous expose à un petit différentiel au niveau du rendu optique. Donc il faut que la zircone soit achetée. La stratification doit suivre celle plutôt de la facette et la facette, en principe, elle doit avoir un support qui reprend la même couleur du moignon. Donc vous aurez également eu à, surtout pour les centrales, transférer la couleur du moignon. Et pour ça, on a des teintiers spécifiques, les Natural Dye, qui permettent de faire cette opération en substituant donc cet élément de l'intrado qu'on va mettre au niveau de la facette par un composite portant la même couleur. Ou le prothésiste peut utiliser tout simplement un composite qui va se rapprocher à la couleur qu'il est en train de voir pour pouvoir réussir donc cette concordance. Maintenant, c'est à vous également de jouer cette fois-ci, non pas sur la saturation, la couleur et la teinte. Donc la teinte. Donc vous ne pouvez jouer ni sur la teinte, un tout petit peu sur la saturation, mais beaucoup plus sur la luminosité. Comment?
Eh bien, on va le voir plus tard, peut-être. On va le voir plus tard. Eh bien, dans cette situation-là, une fois que vous mettez votre deux prothèses, eh bien, ce que vous allez faire, vous allez utiliser les try-in past. Les try-in past, ce sont des glycérines teintées que vous allez trouver dans vos coffrets de collage et vous allez tester. Vous pouvez jouer principalement ici sur la facette pour rehausser sa luminosité ou plutôt l'inverse, tout dépend principalement la rehausser. D'accord? Donc, au lieu d'utiliser le même produit, eh bien, évitez bien évidemment d'utiliser le transparent. Ça, c'est interdit, hein? On va utiliser toujours soit du A1, soit du light. Et sur la facette, probablement qu'on partira sur du light plus pour égaliser le rendu optique. Et sachez que d'une façon générale, la colle ne modifie que la luminosité et dans une proportion très très faible, ne dépassant pas les 10%. Donc tout le travail doit se faire avec votre prothésiste de laboratoire et le laboratoire pour le choix du matériau et du substrat. Et c'est là où il y a tout le défi parce que les substrats, chacun présente un mimétisme assez spécial et des propriétés optiques très particulière. Donc, d'un substrat à l'autre, vous avez vraiment des effets totalement différents. Et c'est un peu l'apprentissage qu'on doit faire, surtout pour ceux qui vont utiliser énormément le chairside, la CFAO sur fauteuil. Voilà donc finalement le résultat final. Facette à côté de la couronne. J'ai dû utiliser donc du light plus sur la facette pour augmenter légèrement la luminosité, pour camoufler en fait l'aspect un peu jaunâtre de la dent. Et donc ça fait que les deux ont été plus ou moins égales en termes du rendu optique. Les latérales sur lesquelles on a fait une petite gingivectomie donnent un rendu un peu plus intéressant. Et donc voilà, donc la prise en charge esthétique a pu générer un résultat correct. Il y a un petit souci, je reviens à cette diapo pour vous dire que au moment du collage, la 11 est une facette feldspathique, la 21 c'est une couronne zircone. Et puis par rapport au collage, ça ne se colle pas de la même manière. Du côté gauche, donc la 11, on a besoin de silane, et au niveau de la zircone, on a besoin d'appliquer l'MDP. D'accord? Et le problème avec la zircone, c'est que vous allez recevoir votre prothèse et d'une façon spontanée, vous allez la mettre en bouche. Du coup, vous allez la suyer avec la salive. Et dans la salive, il y a des protéines phosphatées et qui vont occuper tous les ponts phosphates au niveau de l'intrado de votre zircone et ils vont désactiver la zircone. Donc, la zircone ne pourra plus coller. Elle ne pourra qu'être scellé, même si vous utilisez une colle. Donc, il ne pourra plus entretenir que des relations, des liaisons micromécaniques et presque zéro liaison chimique. Et même les liaisons micromécaniques ne vont pas être top si vous avez des protéines salivaires au niveau de l'intrado. Donc, dès que votre prothèse est souillée avec de la salive, vous êtes obligé de la nettoyer. Comment? Vous avez deux solutions. Il y a une solution qui a été édité par Ivoclar, je ne sais pas s'il y en a d'autres sur le marché, probablement, je ne suis pas au courant. C'est l'Ivoclean. Ça permet de nettoyer et libérer les ponts phosphates qui vont établir la liaison avec l'MDP ensuite. Si vous ne l'avez pas, vous êtes obligé de refaire le sablage une fois que vous avez fait votre essai clinique et que votre prothèse, quelle qu'il soit, a touché la salive. Ça, vous le faites à 50 microns, à 2,4 bars. Alors, si par contre vous êtes prévoyant et méticuleux, vous voulez éviter ce problème, dès que vous recevez votre prothèse, avant de la mettre en bouche, appliquez tout simplement une couche d'MDP pure et après vous faites tous les essais techniques que vous voulez sans que vous altériez les propriétés adhésives de votre prothèse. D'accord? Donc ça, c'est un peu les trois solutions pour ne pas tomber dans ce piège. Bien, ça, c'est l'enseignement à tirer de ce cas clinique par rapport à la manipulation de la zircone. Donc ça, j'ai traité, j'ai parlé, j'ai abordé une couronne, mais bon, le risque pour une couronne n'est pas énorme. Par contre, si vous utilisez un bridge collé, eh bien sachez que il va tomber dans les 15 jours qui vont suivre si vous ne respectez pas cette règle. Un autre cas de gestion des dents riziformes, diastème, etc. Donc protocole de modélisation du sourire conventionnel avec des selon enfin on fait comme d'habitude notre analyse esthétique et ensuite
On demande donc à WhatsApp qu'on transfère en bouche. Si on voit que les modifications sont satisfaisantes, bien évidemment, en concertation avec la patiente, il y a des choses à modifier, on les modifie ou on les note. Et si on considère que le volume externe nous convient, on peut aller vers la préparation. Sur ce cas, j'avais prévu des préparations très conservatrices de 0,3 mm que vous ne pouvez faire qu'avec des loupes principalement, sinon c'est un peu compliqué. Donc des loupes, des microscopes, ça, avec ça marche. Une fois que je dépose mon mocap, regardez la quantité de préparation que je dois infliger à mes préparations, à mes dents. Donc c'est pas grand-chose. Et du coup, je prends la décision de faire des préparations ultra conservatrices sur les deux centrales, les latérales, un tout petit peu sur la 22. Et rien pratiquement sur la 12, probablement un sablage, un micro-sablage à 27 microns pour éliminer la couche aprismatique de l'émail qui n'est pas très propice au collage. Voilà donc la limite périphérique de 0,3, très fine. Et voilà donc le résultat final des préparations. La facette avec une épaisseur tellement fine, 0,2. Au niveau cervical. Et là, je reviens donc à la notion de l'usage de la couleur. Et là, je remercie ma chère amie, collègue, docteur Imal Harach, qui m'a aimablement prêté ce beau document appartenant à 3M, qui vous montre l'aspect chromatique de la déteinte, enfin des colles, ainsi que leur pâte d'essayage, d'accord? Donc vous voyez que c'est très très proche, c'est même la même chose. Donc il y a une grande fidélité de reproduction de la couleur quand vous utilisez la pâte d'essayage et quand vous passez à la colle. Et regardez, donc on a une nomenclature. Je ne sais pas si 3M reste toujours sur cette nomenclature ou est-ce qu'elle a basculé. Sincèrement, je ne suis pas au courant. En tout cas, dans cette nomenclature, regardez, le A1, c'est le neutre. D'accord? C'est pas le transparent. Faut pas se tromper. Si vous utilisez le transparent, vous foirez votre collage. Pourquoi? Le transparent, en fait, il crée une interface avec un indice de réfraction négatif, hein? Donc, il y a la lumière qui va y être absorbée. Ça va générer du gris. Donc, vous faites baisser votre luminosité globalement. Il ne faut jamais utiliser le transparent. On va utiliser le A1 comme étant le neutre. Si on veut augmenter la luminosité, eh bien, il faut aller sur du B05. Le white opaque, le dernier, eh bien, évitez-le, surtout ce qui est esthétique, parce que ça vous enlève toutes les propriétés optiques de votre substrat, qu'elles soient l'effet opalescent, la translucidité, tout ça devient très opaque. On le fait que, à mon avis, si vous avez quelque chose de métallique que vous voulez coller, masquer, etc. Pour le A3, A3, pour la couleur A3, A5, souvent c'est pas très utilisé, sauf sur des cas rares. Chez les Italiens, oui. Chez nous, l'une des études que j'ai réalisées dernièrement, c'est un travaux de thèse qui a fait réaliser un sondage chez la population consultante chez nous, et eh bien tout le monde raffole de Jacob de Lafont, hein. Toutes les tranches d'âge, toutes les catégories confondues, tout niveau socio-économique. Donc j'estime que c'est un effet de masse média et de modèle américain qui a envahi un tout petit peu notre culture, hein. Donc aujourd'hui, les patients, ils viennent et vous disent, on veut du bleach, et même pas le bleach, le B1, ou le on est sur des bleach un peu catastrophiques que je ne trouve pas du tout joli, sincèrement. Mais bon, le client est roi. Quelquefois, vous êtes obligé de d'assouvir son désir et ses demandes. D'accord. Alors, il y a d'autres firmes ou d'autres sociétés qui ont basculé vers d'autres types de nomenclature. Donc, au lieu de mettre du A1, ils ont mis le neutral. Et si vous voulez donc augmenter la luminosité, vous partez vers du light ou light plus ou light plus plus, etc. Donc là, on ne parle plus que de luminosité et non pas de teinte, comme ce qui a été le cas il y a quelque temps.
Voilà donc le résultat final. Et voilà donc le sourire qui s'intègre parfaitement bien. Et là, on est loin de tout ce qui est bleach aujourd'hui. Donc, enfin, la difficulté, c'est quand vous restaurez des choses partielles, hein. Quand vous faites toute la bouche, eh bien, la notion de la couleur n'est plus importante, puisque au final, vous allez harmoniser le tout entre le haut et le bas dans la même stratification. Bien, je passe rapidement sur un autre cas. Bon, analyse esthétique, mock-up, mise en place du mock-up en bouche, vérification, tout va bien, on valide, on passe aux préparations. Sur ce cas, on a deux centrales couronnes, parce qu'en fait, si je vais revenir, donc les deux centrales, c'est des dents dévitalisées, le reste, c'est des dents vivantes, donc deux couronnes et le reste, ce sont des facettes, tout simplement. Donc voilà, le résultat est reçu du laboratoire, protocole de collage. Voilà donc le résultat final. Sur les canines, il y a un peu de rouge à lèvres. C'est ce qui peut vous sembler être des taches, mais ce n'est pas le cas. Et encore une fois, quand on applique la checklist esthétique, quand on corrige les contours, quand on symétrise les centrales, les embrasures et tout ça, vous aurez quelque chose de très harmonieux. Et donc ça, c'est un peu mon conseil. Ne travaillez jamais sans checklist esthétique. Le bas n'a pas été touché, juste un petit blanchiment. Et voilà, donc, le résultat final après réhabilitation mixte par facette et couronne. Le défi, encore une fois, cette fois-ci, c'était encore le fait de égaliser en termes de couleur les zircones et les feldspathiques. Là, je vais passer, il ne me reste pas beaucoup, je pense. Je l'espère en tout cas. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Hein, ou la makaïn derrière. On est tous. On en a marre de rester allongé toute la journée. Hein. Peu de sport, pas beaucoup. Donc, c'est l'occasion qu'on bosse un peu. Allez, on avance. Vous êtes permis de prendre ce que vous voulez, hein. Café, thé, tisane, pas de tisane pour ne pas vous endormir. Bien. Augmentation des crêtes édentaires à visée esthétique. Alors regardez un autre cas clinique où la patiente se présente avec un secteur antérieur traumatisé par la surcharge et un secteur postérieur absent. Donc il n'y a pas de calage postérieur et vous pouvez déduire de l'axe des canines, regardez-les très bien, que la surcharge elle est énorme. Je vous dis encore que les trois centrales sont très flottantes, sont flottantes, sont mobiles. Ça veut dire que c'est des dents qui jouent, hein. Ça, on va le déduire de la radio. Donc, au niveau de la radio, ah, c'est bon. Ah, les gens ne s'ennuient pas, c'est cool. Très bien. Donc, si vous vous ennuyez pas, c'est cool, on continue. Alors. Donc je disais que le souci ici c'était ça. Alors sur ce genre de situation, il faut faire très attention parce que le guide antérieur à ce stade-là, il n'est pas, il est fonctionnel lui, mais il n'est pas à sa bonne position. Donc regardez les canines, ils ont fléchi, regardez où est-ce qu'ils sont partis. Donc il faudra bien évidemment systématiquement augmenter la DV pour corriger l'axe de la canine. Il faudra qu'elle soit un peu plus verticale parce qu'il a été poussé vers l'extérieur. Et en même temps, pensez à restaurer le calage et restaurer surtout les courbes d'occlusion. Et tout ça tout en faisant attention au centrage. Donc là, d'un point de vue fonctionnel. Maintenant, d'un point de vue esthétique, au niveau antérieur, on sait très bien que les trois incisives sont à extraire. D'accord. Alors, si on s'acharne à les extraire et à mettre une PAP et attendre la cicatrisation pour aller ensuite sur un bridge de canine à canine ou de prémolaire jusqu'à prémolaire, disons qu'on va prendre un bridge de longue portée, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une résorption drastique, phénoménale, énorme au niveau antérieur et chose qui va être très, très inesthétique. Donc, là, dans ce genre de situation, il faut prévoir cela. Il faut faire absolument, si vous n'avez pas envie de faire des implants dans ce genre de situation, il va falloir faire un comblement systématiquement. Donc, dans ce cas de figure-là, ce qu'il faudra faire, c'est extraire et combler.
Et une fois que vous allez combler, vous allez donc systématiquement passer par plusieurs bridges. D'accord? Un bridge de dépannage au début, hein, pendant les 15, 3-4 semaines, 3-4 premières semaines. Et puis un bridge de laboratoire de deuxième génération, qu'on va appeler deuxième génération. C'est celui que vous allez voir en bas. Cuisson au laboratoire, donc il y a moins de monomères, silice, état de surface bien fait, sur lequel, regardez donc cette dernière photo, à droite en bas, sur lequel, au niveau des intermédiaires, vous allez principalement créer des bombées. Pour créer quoi? Créer des départs de gencives naturels, de façon à ce que la prothèse, future prothèse, va pouvoir avoir l'illusion de sortir de la gencive sans avoir cet aspect un peu disgracieux d'une crête horizontale et des prothèses qui sont juste déposées comme ça. Donc voilà, après quelques temps de cicatrisation, une fois que la greffe a bien pris, la gencive n'est plus inflammatoire, le fil de rétra le fil, les fils ont été enlevés. On passe à ce deuxième bridge qui est compressif. Vous arrivez à voir maintenant au niveau des incisives qu'il y a une forte compression quand même, qui va être progressive. Donc cette compression, on commence par un tout petit peu première semaine, deuxième semaine, on rajoute un tout petit peu, jusqu'à ce qu'on arrive à sculpter les éléments suivants. Puis une fois qu'on arrive à cela, on maintient toujours notre bridge provisoire, on passe aux autres réhabilitations au niveau d'infrastructure, donc là c'est des îlets-corps tout simplement, et puis finalement on passe à la réhabilitation finale. Là c'était un bridge céramo métallique, et on voit très bien cet aspect dedans qui émerge directement de la crête, et une crête qui va être stable dans le temps grâce bien évidemment aux matériaux de comblement. Là. Bien. S'il vous plaît, avec quel matériau vous comblez? Alors, ça, c'est une autre histoire. Il y a tellement de matériaux. Et ça, je ne veux pas ouvrir cette parenthèse parce que sinon, j'ai des vies. Ça, c'est des biomatériaux de comblement. Bien. Allez. Voilà un tout petit peu le visuel en profil. Et le plus important dans cette réhabilitation, c'est quoi finalement? C'est le calage postérieur. Donc enfin, j'ai passé beaucoup de temps à restaurer mes dents antérieures, l'esthétique y est, il n'y a pas de problème. Enfin, ce n'est jamais parfait, mais disons que c'est acceptable pour une dame dans la cinquantaine, soixantaine, il n'y a pas de souci. Maintenant, si mon calage postérieur n'est pas bon, je sais et je saurai que cette structure-là, il va casser dans quelques temps, 3 mois, 4 mois, 6 mois, j'aurai des fractures au niveau des incisives et des canines. Donc, votre calage postérieur sous forme de stélite ici doit avoir une excellente sustentation. Donc, votre stélite doit vraiment être académique. La sustentation doit être bien étudiée. Sinon, vous perdez l'essentiel de votre travail. Ok, c'est bon pour ce cas. On va passer à d'autres cas, cette fois-ci, qui vont être traités par Digital Smile Design. Donc, jusque-là, je vous ai montré des cas qui ont été gérés d'une façon analogique, disons, hein, rien qu'avec une analyse simple, esthétique, en appliquant la checklist, en concertation avec le laboratoire, des mock-ups, ou plutôt des wax-up vont être utilisés, transférés en bouche sous forme de mock-up. Et voilà. Donc, mais tout ça a une limite. C'est laquelle? À partir de quand? La grande question, c'est ça. À partir de quand il va falloir décider de passer au Digital Smile Design? Sûr, pour une centrale, on va pas mobiliser le Digital Smile Design, sauf si c'est un cas un peu compliqué avec des greffes, etc. Sinon, pour un certain nombre de situations compliquées, eh bien, ça devient une nécessité. Comme celle-ci, par exemple. Regardez, c'est une dame qui se présente avec un très ancien bridge céramo-métallique vieillissant, mais c'est surtout qu'elle a un plan d'occlusion légèrement oblique et surtout un sourire gingival disgracieux. Vous pouvez voir même au niveau des photos de profil que les dents se projettent en avant, donc il y a pas mal de choses à corriger. Donc c'est l'axe des dents, le futur axe des dents, c'est le sourire gingival.
et le plan d'occlusion. Alors, dès que vous avez la conjonction de plusieurs paramètres compliqués à gérer, eh bien, moi, je vous conseille de passer au DSD. DSD, pourquoi? Parce que le DSD, ça vous permet et ça vous oblige, à travers la série de photos que vous prenez, de fournir à votre prothésiste l'ensemble des détails, tous les détails d'ailleurs. Voilà. Vous avez là le visage. Là, j'ai pas mis tous les détails de, parce que j'ai pas le consentement de mes patients et je veux pas donc les embarrasser. Donc, excusez-moi, mais normalement, je dois mettre toutes les photos. Bien. Donc voilà. Ce que j'ai fait initialement pour ce cas, bon, je vous emmène dans mon échec, si vous voulez. Ça, c'était un cas d'échec et que j'ai rattrapé ensuite. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait, ce que je fais d'habitude. Je prends une empreinte, je fais ma checklist esthétique et je demande une correction. Alors, voilà, le cas est le suivant. Je prends une séance très longue pour déposer le bridge, déposer les faux moignons métalliques. Et là, je reviens, je dis un tout petit, enfin deux mots sur ce dispositif, l'OAMX. Ce sont en fait des petites pinces assez géniales qui permettent, avec leur petit mors, de s'appuyer sur la racine. Et vous creusez un petit tunnel au niveau de votre ilécor et ça vous permet de déposer d'un seul coup. Paf! Vous faites expulser l'ilécor. Pardon, vous expulsez l'ilécor d'un seul coup, sans casser la racine. Pourquoi? Parce qu'en fait, le geste est vertical et ça permet d'appliquer des forces de traction sur le ciment, les ciments d'une façon générale. Mais eux, ils sont fragiles devant ce genre de mouvement. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut avoir au cabinet. Sinon, en dehors de ça, vous allez soit passer plusieurs heures à faire du n'importe quoi. Et voire même finir avec fracture des racines. Avec ça, c'est très serein, c'est safe. Bien. Tout à l'heure, j'avais abordé l'axe des dents antérieures. Donc, sur votre prochaine réhabilitation de l'infrastructure, vous êtes obligé de corriger l'axe. Donc, ça, c'est pas un souci. On peut les faire sur les ilécors. Sauf que moi, je suis là dans une approche totalement esthétique. J'ai du mal à utiliser les ilécors qui sont métalliques, même céramisés, ça reste quelque chose de très opaque. Et du coup, donc, je vais faire appel à la seule solution qui me permet de réhabiliter des dents plus ou moins à l'état de racine avec des structures en fibre de verre. Et ça, c'est un système italien qui s'appelle Fibersight et qui est disponible au Maroc et qui repose sur la technique du Failure Effect inversé. Et ça permet donc ça vous permet de réhabiliter des dents de cette manière, surtout que j'avais prévu donc de faire une élongation coronaire chirurgicale, ce qui va me générer un effet de Failure Effect intéressant. Donc j'aurai un ancrage intra-canalaire et j'aurai quand même des prothèses qui vont sortir mes fibres de verre et du coup donc j'ai un double Failure Effect interne et externe qui garantira la pérennité de mes prothèses. D'autant plus que ces fibres de verre, ils ont un moignon très robuste, entièrement fait de fibres de verre. Donc voilà, regardez un tout petit peu le résultat une fois qu'on a fait la gingivectomie. Et à ce stade-là, je comprends que j'ai pas pu atteindre les objectifs initialement tracés. Il y a toujours un plan d'occlusion oblique. Il y a plus, enfin, toujours un excès gingival du côté droit. Et puis voilà. Donc là, je me rends compte que il va falloir que je passe à un Digital Smile Design. Donc là, je prends un logiciel assez facile à manipuler, le Smile Designer Pro. J'y mets toutes les données et le logiciel m'indique qu'il va falloir faire une bonne gingivectomie du côté droit, 1 mm la centrale, 1,5 la latérale, 1,5, 2, 3, 2, etc. Tout en sachant que à partir de la prémolaire, les choses deviennent moins précises. Ça, il faut le comprendre pour tout ce qui est 2D, parce que c'est un logiciel 2D. Alors, vu que il y a une certaine incertitude dans ce sens, je me suis dit, allez, je vais refaire ça aussi sur un autre logiciel 3D. Et puis, on se lance dans la chirurgie. Un clin d'œil à Madame le professeur Khadija Amin. Que ce confinement soit vous apporte beaucoup de sérénité, cher maître.
Et merci pour vos beaux travaux de parodontologie. Donc voilà, regardez un tout petit peu la situation une fois qu'elle a décollé. Donc on était parti sur une élongation assez précise, suivant un tout petit peu les recommandations du DSD. Et voilà, après cicatrisation, on a pu symétriser plus ou moins les collets gingivaux et obtenir une réduction importante du sourire gingival. Bridge qui n'a pas encore été scellé, juste vérifié et enfin testé sur place. Maintenant, ce qui cloche ici, c'est qu'il va falloir bien adapter les limites cervicales. Il va falloir fermer cette embrasure-là pour soutenir la papille interdentaire. Voilà, vérifier l'occlusion et tout ça. Donc ça, c'était juste une photo préliminaire. Et donc, voilà, on est parti de ça à ça. Et ce que je voulais vous véhiculer donc comme message principal, dès qu'il s'agit d'un plan d'occlusion oblique, dès qu'il s'agit d'une élongation coronaire importante, il faut plus s'amuser à traiter les choses d'une façon conventionnelle. Non, vous aurez beaucoup de mal. Vous pouvez le faire, on l'a toujours fait. On a toujours fait d'une façon analogique, mais sachez que c'est fastidieux et c'est imprécis. Si vous voulez davantage de précision et un travail parfait, le DSD est là pour vous sauver. C'est ce qui va vous faire passer de la position A vers la position finale sans perdre beaucoup de temps dans ce que j'ai fait d'une façon analogique. D'accord? Alors, je me suis mis à jouer un tout petit peu. Alors, ça, c'était avant la chirurgie. Et j'avais sollicité un cher ami, Dr. Omar Sam, qui lui est un expert du R2Gate. C'est un logiciel qui exploite cette fois-ci des données tridimensionnelles. Donc, on a préparé pratiquement tout. Et on a essayé de faire un DSD. Malheureusement, enfin, sur ce logiciel, à cette époque-là, le DSD n'était pas encore parfait. Mais ça m'a permis de comprendre de combien mon plan d'occlusion était oblique. Et donc ça m'a apporté quand même un certain nombre d'informations que je vais pouvoir éviter par la suite. Alors le souci c'est que avec le DSD rudimentaire qu'on a sur lui, enfin qui nécessite beaucoup de travail, j'ai renoncé et je me suis tourné vers une autre solution. Cette solution, c'était donc un laboratoire qui m'a permis sur la base d'un wax-up qu'on a fait ensemble. Donc, un wax-up, bon, j'ai pris tout simplement l'empreinte de la nouvelle situation. J'ai demandé un wax-up qui soit dans une certaine configuration, respectant un certain nombre de formes et de paramètres. Et ce laboratoire m'a fait vraiment le grand plaisir de reproduire la même chose sur des dents et des facettes usinées. Et ça, c'était vraiment le grand défi, parce que le plus grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est quand vous montrez à votre patient un wax-up que vous ne pouvez pas reproduire avec finesse. Et ça, jusque-là, j'ai pas réellement trouvé quelqu'un qui arrive à le faire avec brio et avec précision. Et voilà donc le cas avant et après, une fois que j'ai mis les prothèses en bouche. Donc on a pu surmonter ce gros problème de sourire gingival une fois que tout a cicatrisé. Donc la patiente a été très contente de la réhabilitation. Non, pardon, la patiente n'a pas été très contente de la réhabilitation parce que quand on a fini, bah, le jour J de la mise en place des prothèses, j'ai vu qu'elle était un peu hésitante par rapport à la couleur. Elle a beaucoup aimé les formes. Bon, le cas avant, après, c'était top. Mais elle est restée à parler un tout petit peu. J'aurais aimé un peu que ce soit un peu plus blanc, etc. Donc, j'ai eu le réflexe de sceller provisoirement. Je lui ai dit, alors écoute, tu pars pendant 2, 3 jours et tu me diras ce qu'il en est. Et effectivement, il revient pour me dire, non, je veux du bleach, du blanc. Jacob de Lafont. Et là, ça, j'ai piqué une rage, enfin une rage silencieuse, parce qu'en fait, bon, moi j'aime pas ce bleach Jacob de Lafont. Je trouve des couleurs comme ça, je les trouve très naturelles, très jolies, très belles,
Et je trouve aussi que tout ce qui est super bleach, c'est une Oui, vague qui va disparaître et probablement que ces gens à un certain moment vont revenir pour déposer tout ça, pour revenir à des couleurs assez naturelles. Mais bon, j'ai accepté quand même pour faire plaisir à cette patiente. Ça va me permettre également de tester des performances d'autres types de blocs, puisque ça c'était de la Vita. Je partagerai probablement ce cas clinique avec vous pour faire un tout petit peu l'analyse au niveau optique et au niveau du rendu de tout ce qui est bloc Vita et bloc Imax et on verra. Donc je fais pas mal de petites recherches dans ce sens et on va décortiquer tout ça pour mieux voir dans les indications et dans les effets optiques qu'on pourra offrir à nos patients. Alors, dernier cas. Peut-être, oui, probablement, si vous n'êtes pas fatigué. Il est quelle heure? Quelle heure est-il? Oh là là. Je pense que j'ai un peu trop. Patiente a-t-elle subi un repositionnement de la lèvre? Non, la patiente n'a pas. Je ne touche pas aux lèvres, je touche à rien. Je ne travaille que la gencive et les dents. Donc la patiente, non, n'a pas de souci avec. N'a pas de souci avec. Enfin, n'a pas subi de traitement pour les lèvres. Sauf si elle a fait du Botox ou quelque chose comme ça et qu'elle me l'a pas dit. Non, je pense non, non pas, même pas ça. Je pense que c'est juste la position des lèvres au début. C'est un sourire forcé qui met un goulot d'Akasfra. L'autre photo, c'était principalement enfin un sourire décontracté. Alors, un autre cas un peu compliqué, cette fois-ci, j'avais essayé de le traiter sur TriShape. TriShape est un module, enfin, c'est un peu le système d'usinage et de conception. Il présente un module de DSD, mais qui est un module de DSD 2D, même s'il arrive à le. Même s'il arrive à imprimer ce qu'il fait comme conception. Sauf que dans sa conception, elle est très basique, elle est très fondamentale. Il prend pas beaucoup d'informations, donc rien que les modèles, il les scanne et les photos et on va essayer de modéliser un tout petit peu et créer quelque chose de comestible. Dans ce cas-là, regardez, voilà un tout petit peu le design qu'on a pu obtenir. Alors, regardez, les dents, elles sont trop longues, donc j'ai ordonné qu'on raccourcisse les dents et qu'on grignote un tout petit peu au niveau de la gencive. Chose qu'on a pu obtenir en imprimant notre modèle dans une imprimante 3D, sur lequel je prends une clé et je me mets à travailler en bouche de façon à raccourcir les dents pour tomber dans mon projet prothétique initial. D'accord? Donc, c'était ça un peu mon approche. Tout en sachant que cette analyse bidimensionnelle n'est pas tout à fait précise. Mais bon, on n'avait pas le choix. Ça date quand même d'un peu de temps, enfin, 2 ans, je pense. Et puis voilà, je suis un tout petit peu ce modèle pour finalement arriver à ça. Et on a grignoté un tout petit peu la gencive, on a fait une petite gingivectomie qui n'est pas énorme, mais on s'est dit que bon, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait au début. Et je suis tout ça pour aller vers les facettes et les couronnes. Couronne postérieure, facette antérieure. Et voilà, une fois que je pose mes facettes antérieures, alors ce que vous voyez là, c'est pas de la colle, c'est beaucoup plus un matériau. C'est un vernis désensibilisant. C'était le deuxième jour après la mise en place et donc il y avait un peu de sensibilité et donc j'étais en train de mettre un peu de. Alors en fait, finalement, ça, cette première, cette pour ce cas, cette première approche était un échec. Un échec, pas au niveau dentaire, mais principalement au niveau gingival. Hein. Le sourire gingival est toujours disgracieux. Et l'alignement des collets les raté, totalement raté. Donc, toute l'analyse qui a été faite sur TriShape, je ne dis pas que TriShape n'est pas performant, je ne peux pas le dire en se basant sur un seul travail. Je n'ai plus travaillé avec. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont un système DSD plus performant. Et d'ailleurs, c'est un scanner assez performant, aussi bien que tout ce qu'on a aussi sur le marché.
Alors, du coup, regardez, à partir de là, je vais faire appel à un autre système de DSD, cette fois-ci sur Keynote, et qui va justement mettre en valeur des corrections beaucoup plus importantes cette fois-ci au niveau latéral principalement. Donc, vous voyez qu'on est sur des élongations très, très importantes, 2-3 mm au niveau des prémolaires et molaires. On va encore une fois essayer de suivre cela en faisant des gingivectomies. Et on va essayer qu'elles soient les plus symétriques possibles. Là encore, l'avantage chez la patiente, c'est le parodonte épais, c'est la grande plage de gencives kératinisées. Donc tout ça est en notre faveur. Donc on peut travailler tranquillement. Et voilà, donc les choses s'arrangent. Je dépose les anciennes facettes et je reprends mes préparations. Là aussi, on passe directement sur des couronnes finalement, hein, parce que là, je commence à voir des racines qui penchent. J'ai envie donc de tout colmater, de tout fermer pour protéger, pour ne pas avoir beaucoup de sensibilité post-opératoire. Ce qui donne ça. Et voilà, donc il y a eu une impaction de tout le maxillaire. Donc on a réduit au niveau des dents. On les a toutes gardées vivantes. Avec bien évidemment l'IDS, tout ce qu'on avait abordé au début, et les doubles chirurgies afin de réduire donc l'aspect du sourire gingival. Et vous allez remarquer finalement qu'on a pu réduire ce sourire d'à peu près 50 à 60%. Allez, et le résultat final a été très satisfaisant pour la patiente. Bien évidemment, c'est un cas qu'on peut pas résoudre d'une façon totalement dentaire ou gingivo-dentaire, peut-être qu'il faut d'autres types d'interventions maxillofaciales pour agir sur le maxillaire. Bien. Donc là encore, c'était la limite de la, de la. Là encore, c'est la limite de la planification bidimensionnelle. Donc on a vu la limite de la planification conventionnelle. Et dès qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, donc le plan d'occlusion, le côté, enfin, l'excès gingival, il faut aller vers le DSD. Maintenant, le DSD 2D, c'est pas quelque chose de très performant. Le DSD 3D, il faut le maîtriser. Hein, c'est fastidieux, il faut le maîtriser. Quelques logiciels le font pas tous. Et la solution, à mon sens, aujourd'hui, c'est un laboratoire qui a toute la technologie pour vous offrir un mock-up bien fait et qu'il puisse reproduire dans le détail ce mock-up, le même mock-up qu'il vous offre, qu'il puisse le reproduire sur la céramique. Si vous avez ça, c'est que vous avez une excellente manière de travailler parce que vous êtes dans des choses concrètes. Dernier cas rapide. Donc ça va me prendre peut-être 5 minutes et je vais vous laisser souffler. Allez, ça c'est un ancien cas. Ou encore une fois, la réhabilitation conventionnelle ne peut pas fonctionner pour les raisons suivantes. Regardez le plan d'occlusion, l'excès gingival. Dès que vous avez déjà deux choses comme ça, plan d'occlusion oblique, excès gingival, réhabilitation, enfin, planification conventionnelle ne fonctionnera pas. Ou ça va être compliqué à gérer. Donc, ça a été fait sur Photoshop. Et on a donc définir un certain nombre de valeurs à résoudre ou à éliminer au niveau gingival du côté où il y a l'excès, donc du côté gauche. D'accord? Plutôt droit. Donc voilà, on va suivre cette analyse. On fait notre gingivectomie une fois qu'on a fait déjà le premier mock-up, puis on laisse cicatriser, puis on reprend les préparations, puis on remet le mock-up dans la nouvelle, un nouveau mock-up. Dans la situation finale, une fois qu'on a aligné le plan d'occlusion et corrigé l'excès gingival. Et puis, facilement après, ça redevient un cas classique où il va falloir passer tout simplement aux restaurations prothétiques. Voilà, donc tout ce qui a été fait du côté droit. D'accord? Vous voyez très bien qu'il y a une parfaite intégration des prothèses après la chirurgie, puisque au moment de la chirurgie, il y a eu un parfait respect de la distance entre le bord prothétique et la crête osseuse, qui doit être 2-3 mm. La même chose par rapport à la règle de Tarnow au niveau des papilles. C'est ce qui va garantir, donc, finalement, la pérennité de votre
travail d'une façon générale. Voilà, c'est un cas qui a pratiquement maintenant 6 ans ou 7 ans, qui est toujours stable, toujours dans la même situation. En bas, c'est tout simplement un blanchiment. Voilà. Et voilà, au final, si vous arrivez, enfin, si vous voulez juger de votre travail et juger de la qualité de votre prothèse, eh bien, c'est au niveau de la gencive que vous allez pouvoir le faire. Si votre gencive est clean, est propre, n'est pas inflammatoire, il respire et il expire un tout petit peu, si vous voulez, tel qu'on est en train de voir sur la photo, eh bien, c'est qu'elle est en bonne santé. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que dans votre process, dans votre protocole de réalisation prothétique, il y a eu des soucis qui n'ont pas été bien pris en charge. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la slow dentistry, une dentisterie où vous allez donner le temps à vous pour maîtriser les protocoles, vous donner le temps pour bien faire les choses, pour être satisfait de votre travail et pour s'attacher davantage à votre patient. Sinon, notre travail est tellement compliqué et tellement demandeur en termes d'investissement, d'attention et attention physique, psychique et tout ce que vous voulez, que si on finit pas par voir de belles choses, eh bien, on finira par le détester. Donc, cette approche devra probablement changer progressivement, bien évidemment, en faisant des investissements intelligents et en donnant un peu plus de temps à faire de belles choses pour qu'on puisse améliorer notre pratique et offrir à nos concitoyens des prothèses d'une belle qualité et d'une belle esthétique. Bien, j'arrive donc à la fin de ma conférence. J'espère que j'étais pas lourd. J'espère que le débit n'a pas été trop rapide pour vous. J'espère que j'ai pas malmené vos neurones. Je sais que on marche tous au ralenti, hein. On bascule entre un seul rythme, hein. Dormir, se réveiller, dormir. Donc du coup, voilà. Autre chose, si j'ai vraiment d'autres conseils à vous dire, c'est prenez le temps de bien planifier vos cas cliniques, hein. Ne soyez pas hâtif. Prenez également le temps, ou plutôt investissez-vous à développer la communication avec votre laboratoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils intéressants. Bah, la photo, déjà, elle est indispensable aujourd'hui si vous voulez faire de l'esthétique. L'échange de photos, de données, d'informations avec votre laboratoire, qui est un partenaire incontournable, est quelque chose de primordial. Donc, on ne peut pas lui laisser toute la charge et la responsabilité de juger de l'occlusion de Irtara, même que l'Irtara. Il ne peut faire que ce que vous lui donnez. Donc, offrez-lui le maximum d'infos pour qu'il puisse vous satisfaire. Et cet investissement, si vous le faites, vous serez certainement très, très serein dans votre pratique au fur et à mesure que vous avancez dans cette collaboration. Très bien, donc si je ne sais pas comment on va faire si vous avez des questions, ou si, vu un peu le nombre de cas que j'ai présentés, ça va être un peu compliqué de. Un peu compliqué de revenir sur l'ensemble des cas cliniques. Mais bon, je peux toujours recevoir vos questions, vos remarques et tout ce que vous voulez, soit à titre privé, soit sur la même page, je suis disposé à vous répondre avec grand plaisir. Très bien, je pense que il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. J'étais très content, très honoré de vous avoir tous. C'est une très très belle audience. Je vous souhaite aussi toute la sérénité, toute la réussite dans votre pratique, Inch'Allah. Que Dieu vous protège tous. Soyez tous prudents. Cachez-vous bien, hein, comme on le dit chez nous ici. Cachez-vous bien, le corona est partout. Et voilà, j'ai ces Kamel sur en ligne. Allô, c'est Kamel. Allô? Exactement, voilà, parfait.
Non, il n'y a pas de souci. Alors, ok, parfait. Et je reviens avec une soumission en direct, Yac. Ok, parfait. Bien, je vais rester sur la proposition de mon cher ami Kamal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper l'antenne et on va faire une petite pause de 5 minutes. Si vous avez donc après des questions, je vais pouvoir vous répondre avec grand plaisir. Et donc, je vais me connecter en live directement d'ici 5 minutes. Voilà, mes chers amis, donc je vous dis à tout de suite. Finissez votre café, finissez votre tisane. En attendant qu'on se retrouve dans quelques secondes. À plus.